Coran fut révélé afin que les hommes sachent comment se comporter face aux situations vécues dans ce monde. Par ailleurs, la sunna de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous montre comment appliquer les enseignements du Coran dans le quotidien. Le Coran relate les vies de plusieurs prophètes et pieux croyants pour aider les fidèles à les prendre pour modèle. Une des personnes exemplaires de par sa piété et son excellence morale est bien Marie. Bénie soit-elle. Dieu présente Marie comme ayant le caractère de la musulmane idéale. Deux femmes sont citées dans le Coran en tant que modèles. Marie, bénie soit-elle, et la femme de Pharaon. Et Dieu a cité en parabole pour ceux qui croient la femme de Pharaon. De même, Marie, la fille de Imran, qui avait préservé sa virginité, nous y insufflâmes alors de notre esprit. Elle avait déclaré véridiques les paroles de son Seigneur ainsi que ses livres. Elle fut parmi les dévoués. Ce caractère diffère totalement de celui des femmes d'aujourd'hui au sein des sociétés non-croyantes. Ces dernières, en effet, partagent habituellement un caractère socialement acceptable hérité de leurs ancêtres. Dans ces sociétés, il semble normal que les hommes et les femmes présente des traits de caractère très différents. Or, selon le Coran, les hommes et les femmes ont les mêmes responsabilités et caractères.